Et salut les gars, c'est Zach et Lyon. Et cette fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Spider-Man. La dernière fois, on s'était laissé sur une mauvaise passe entre Osborn et Octopus, le docteur Octopus. Qui a perdu son travail à cause de manque de finances et zones dangereuses. Faut que je suive la piste de Shocker. Et je viens d'apprendre que. Et je viens d'apprendre avant que on. Avant que je quitte la vidéo, que Shocker est libre. Qu'un évadé c'est. C'est. Qu'un évadé est là, attendez. Comme je vous l'avais prédit, tel Nostradamus. L'arrestation de Wilson Fisk par Spider-Man au mépris des conséquences a provoqué un raz-de-marée de nouveaux gangsters, tous plus psychopathes les uns que les autres. Mon prochain invité a la chance d'avoir survécu à un vol à main armée. Monsieur, nous sommes ravis que vous alliez bien. Merci. C'était ouf, ces types rentrent comme si c'était chez eux en brandissant leurs flingues. Qu'un honnête homme doive gagner sa vie la peur au ventre est inacceptable. Ouais, heureusement que Spider-Man est intervenu pour les neutraliser. Vous n'avez rien écouté ou quoi? C'est lui la cause du problème! Excusez-moi d'avoir réglé la voix. L'épreuve que vous avez traversée me met hors de moi. J'arrête. Notre auditeur semble sous le choc. Raccrochez-lui aussi. Je vais bien. Au revoir! Quel challenge, Jimmy San. Avis à toutes les patrouilles. Des civils sont en détresse après une collision grave. Agent près de Devil's Shelf. Attendez, où là-bas. Allez, et hop, après une collision grave, c'est grave. Donc le sugar va attendre. C'est un crash, ça. J'espère que personne n'est blessé. Alors. Je crois que ce débris bloque quelqu'un dans la voiture. Speeder Force! Full Force! Puissance max! Ah, puissance. Attendez. Il y a une personne dans cette voiture, coincée par des débris. Tenez bon! Ça serait bien que je fasse. D'avoir été là. Je vais dire à tout le monde que t'existes vraiment. Oui. Donc je voulais dire que le Shocker était vivant, et le Shocker est en liberté et que Jameson n'a pas fini de critiquer Spider-Man. Mais je vais vous dire une chose. Je ne savais pas du tout qu'il y avait cette tenue trop classe. Matez-moi ça. Arachnid chevalier. Tenue d'armure avancée. Et tenue incroyable. L'incroyable Spider-Man. Moi j'adore le chevalier. Et ça, jamais utilisé. On lisait celui-là? Ou non? Bon. Peut-être après le peut-être après le mode histoire. Je ferai Marvel Spider-Man sans mode histoire dans un
J'avance quasiment à l'aveuglette. Il faut que j'active d'autres tours. Justement, il y a du temps là-bas. On nous signale une agression. Rendez-vous dans le quartier de Longacre. Voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Bon, moi, j'ai pas le temps pour... Le choqueur. Herman, ça faisait un bout de temps. Eh, je suis pas avocat, mais... je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. Oups, on dirait qu'on m'en a pour un moment. Tu veux jouer aux devinettes? Non? La garde est pousse alors. Très bien, on va régler ça au point. Wow! Ton équipement a bien été amélioré, on dirait. À ton service, si tu veux te battre. On va se battre. Ah, j'ai hâte que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science. Tu te rappelles notre premier combat? T'es jeune, t'es stupide. Et toi? Eh ben, seulement stupide. Ça, c'est ton avis personnel. C'est vrai, y a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache. Et qui décide du rapport idéal de la parole par rapport au silence? Et en plus, comment on mesurerait? En mots par minute? En syllabe par seconde? Attends, ou ce serait pas plutôt en nombre de mots utilisés pour exprimer une idée? C'est complètement subjectif! Moi, je trouve que certaines personnes parlent pas assez. Par exemple, au sujet de la personne qui les commande, de celui pour qui ils travaillent, tu vois, ce genre de choses. Ouais, il est... vous savez pourquoi on l'appelle Choc, hein? Parce qu'il a le choc! Là, je peux lui faire vraiment mal. Pourquoi tu fais ça, Herman? Parce que sinon, ils vont me tuer! Qui vont te tuer? Olé! Ça fait mal. Whoopi! Whoop! Boum! Si tu te rends, je peux t'aider! Hop, allez. Hop. Ça va pas être possible. Hop. Ah, raté. Hop. Hop. Attrape. Et boum. Et encore une fois. Oh non. Wow. Ah, j'ai pas entendu le mot magique. Ah, mais c'est pas vrai. Wop, wop. Ça,
Ça va faire mal. Vite, 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 vite. Les gens vont plus vraiment à la banque. T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent. Si tu veux vraiment toucher le pactole, essaie les crypto-monnaies. Ça cartonne. Attends. Oh non. Sérieux, Herman? Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Si je parle, je suis mort. Ils ont été très chers là-dessus. T'inquiète un peu, Herman. Y'a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire peur. Je n'ai même pas une question de personnes. Va savoir si tu caches des masques. Attends, t'as bien dit masque? Ces types masqués, qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent? J'en sais rien, ils m'ont pris. Je finis sur un bel disparu. Signé. Oh. Ça va se casser. Ça va casser. Ça va casser. Oh non. Oh, oh, hop. Et combo. Hop, hop, les. Oh. Rends-toi maintenant et on le protégera. Tu rêves. T'as pas vu ce que j'ai vu. Espèce de sale. Ok, dernière chance de prendre. Cette fois, je vais me fâcher. Arrête de bouger. Bon, jusque-là, j'étais gentil, mais là, je rigole plus. Dernière chance. Désolé, Herman. Ah. La sentence est tombée. Littéralement. Ouais. Bon, bah... Ouf, c'était chaud. Ma vie... ma part de vie, elle était... quasiment faible. Encore littéralement. Oh. Il était terrifié et désespéré. Ces démons sont vraiment partout en ce moment. Ouais. C'est bon, Yuri. Shocker est tout à vous. Bon travail. On lui a réservé une cellule spéciale au Raft. Cette fois, on fera en sorte qu'il reste derrière les barreaux. Au fait, je suis presque sûr qu'il travaillait pour le gang des démons. Le gang des démons? On dirait un gros titre du Daily Bugle. Hé hey, le Bugle est un excellent organisme de presse. Je sais pas si on peut parler de presse. En tout cas, il paraît qu'ils ont de très bons journalistes. Mais bref. Vous avez eu d'autres signalements de démons de type masqué? Je vous rappelle pour vous dire ça. En fait, dans quel état vous avez laissé la banque? Je doute que ça vous plaise. Oh, j'aurais dû m'en douter. Ouais. Mon combat contre Shocker a pris du temps. Je devrais me faire une séance de rattrapage dans la ville. Explorer la ville pour améliorer votre équipement. Ouais, bah mon équipement, elle est déjà améliorée. Gadget. Ah.
Ma gadget. Mes gadgets, pardon. Tisseur de toile. Voilà. Pour que ce soit plus équilibré. Et moi je vais récupérer les sacs et objets et autres moi je vais récupérer mes sacs, les sacs de souvenirs, les sacs à dos, et après je vous laisse et après je ferai une autre vidéo demain sur voyons voir sur Red Dead Redemption. Ouais, Red Dead Redemption 2. Doc a laissé un message. Peter, j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail. J'ai une piste. Laisse-moi un peu de temps. Notre carrière d'inventeur pourrait bien rebondir. L'inébranlable Otto Octavius. Super nouvelle, pourvu que ce soit une bonne piste. Ouais, bah son idole, Peter Parker, il est paf. Bon, technique. Qu'est-ce qu'on a gagné comme technique? Attendez. Oh, un technique de combat. Chiou, pic. Chiou, boum. Ouais, le coup de pied latéral. Coup de pied latéral. Ensemble. Comme le sens littéral du terme. Donc, moi, je vous dis... J'ai jeté un œil à ce qu'on avait sur des démons. J'étais sûr que vous changeriez d'avis. Ils n'ont pas chômé. Ils ont attaqué plusieurs propriétés de Fisk. Ils s'en prennent à Fisk? Ah, vous savez ce que ça veut dire? Une guerre des gangs à prévoir? On va essayer de l'éviter. Est-ce qu'il y a des biens de Fisk qui n'ont pas encore été attaqués? Je regarde. Une patrouille a signalé une activité dans un de ces chantiers navals sur le port. Merci Yori, je vais jeter un œil. Ouais, bah ça sera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me faire un commentaire. Moi, je vous dis à très vite. Ce chantier naval, vous savez à quoi il sert? Aucune idée. Je vais envoyer un agent sur place pour vous aider. Il s'appelle Jefferson Davis. C'est un bon flic. Il bosse sur le dossier Fisk depuis des années. Si quelqu'un sait ce qui se passe là-bas, c'est bien lui. Jefferson Mice, non? Davis, non. Mais Mice, oui. C'est le père de... C'est le père de... Mice Morales. Jefferson Davis. C'est pas dans le script de Miles. Enfin, c'est pas le père de Miles. Petite précision. Est-ce qu'on peut aller sous l'eau? Essayons. Plongeons. Aïe. Ouais. On peut nager en fait. C'est cool. Spider-Man qui prend un bon bain froide. Et cette tenue n'est même pas mouillée. Donc, hop. Hop. Oh. Ah, ça bug. Hop. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me faire un commentaire. Ciao les gars.